Battez en retraite ou je vous trucide, vermine. Attendez, je vais vous aider à fuir encore plus vite. Faites bon voyage, mes jolies, et souvenez-vous d'Alamo. Alamo? C'est le nom de cet endroit. Une des plus importantes batailles de l'histoire ancienne a eu lieu ici. Tu peux rengainer ton épée flamboyante, ami. Nous te remercions de ton aide, mais j'aurais préféré nous en passer. C'est la première fois que le gardien a une défaillance. Comment t'appelles-tu et qui est ce gardien? Je m'appelle Cardas, chef de ces personnes qui te doivent la vie. Et voici le gardien. Il appartenait avant au sorcier Chrome. Nous l'avons emmené avec nous quand nous nous sommes enfuis de sa forteresse. Depuis, il n'a qu'une idée, le reprendre. C'était donc ses troupes que nous venons de mettre en fuite? Mais cette curieuse machine, qu'est-ce que c'est? Un ordinateur géant programmé pour se défendre contre l'ennemi grâce à ses armes volantes qui ont pulvérisé les tanks. Pourquoi ne marche-t-il plus? Cette lumière rouge indique la présence d'un court-circuit. Dans cette pièce-là, exactement. Le problème, c'est que nous ne pouvons pas la remplacer. Il faudrait retourner 2000 ans en arrière pour en trouver une semblable. Et le seul moyen d'y parvenir, ce serait d'utiliser le Toomrang de Chrome. Vous dites que Chrome peut voyager à travers le temps? Mais oui, et c'est grâce au Toomrang qu'il a pu voler, au siècle passé, les armes qu'il possède. Eh bien, nous l'utiliserons nous aussi pour trouver cette pièce de rechange pour votre machine. Oh, j'ai toujours rêvé de connaître l'ancien monde, mais ça risque d'être très dangereux. Direction la forteresse de Chrome. En avant! Regardez, la forteresse du sorcier, là, en bas. Selena, Oukla, suivez-moi. Oh, ça va, je n'avais pas l'intention d'aller aux champignons. Paraît un peu trop simple, il n'aurait pas laissé le toit sans surveillance. Ah, ah. Oukla, non! Tu risquerais de blesser aussi Arok. Rends-toi, mon gaillard, ou je te laisse finir ton plongeon. Maintenant qu'on en a fini avec le comité d'accueil, on va visiter les lieux. Eh bien, la visite s'arrête là. Ah, il va bien y avoir une porte d'accès à la forteresse, mais voilà où. Par la furie du volcan. J'ai compris. Le plancher de cette salle sert aussi d'ascenseur. Formidable! On l'a trouvé du premier coup. Alors c'est donc ça, la chose qui remonte le temps. Oui, et ces deux portes, c'est notre voie de sortie vers l'ancien monde. À condition que j'arrive à faire marcher cet engin. Ah, le temps presse. Les gardes ont déjà dû avertir Chrome de notre présence. Si je trouve la bonne formule, on aura devant nous plus de temps qu'il n'en faut.